Il faut pardonner. Il faut pardonner. Je sais, c'est pas facile, c'est difficile, mais il faut pardonner. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Pardonnez, pardonnez, oh. Pardonnez, pardonnez, oh. Il faut pardonner. Alors, Emmanuel, ah, je vous présente Erwin Gebo, c'est mon fils. Oh, 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 c'est, bonjour, bonjour. C'est bonjour, 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 bonjour. C'est pas facile, mais il faut pardonner. Pardonner les Africains. Pardonner, pardonner, oh. Pardonner, pardonner, oh. Pardonner, 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 pardonner. Ceux qui veulent aller au ciel doivent le pardonner. Et oui, c'est pas facile, je le sais. Je suis là ce matin, mais ce qui est vrai, c'est que j'aurais déjà dû venir il y a très longtemps. Pour cela, je te demande toutes mes excuses. Je viens te voir ce matin parce que j'organise un concert où je suis le seul sponsor. Je suis tout seul devant cet événement. Et j'ai pensé qu'avant toute chose, puisque c'est un événement que je fais moi-même, de revenir aux sources pour venir t'expliquer ce que j'étais en train de faire pendant que je n'étais pas à la maison avec toi. Parce que si un enfant fait des selles sur ta cuisse, tu ne vas pas couper cette cuisse pour jeter. Pareil aussi, lorsqu'un père donne des conseils à un enfant, il ne doit pas prendre ça à la légère. Aujourd'hui, j'estime avoir fait un travail formidable et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un feedback. En tout cas, déjà, je te félicite pour ton courage. Nous n'allons pas faire demi-tour, nous n'allons pas rentrer, mais nous allons regarder tout droit devant nous. Quand un enfant vient demander des excuses comme tu l'as fait, moi, en tant que papa, je n'ai pas d'autre choix que de les accepter et de laver tout ce qu'il y a dans le cœur. Tu fais partie de mon histoire, tu es mon fils et je sais que tu as du talent et que tu as énormément de potentialité. J'ai remarqué en toi que tu as tous les atouts, que tu as toutes les possibilités de faire dans tous les styles possibles. Et je te félicite pour cela parce que tu as vraiment travaillé. Cette fois-ci, je me suis dit qu'il faut que je fasse tout pour arranger cette situation. C'est vrai que j'ai été un peu retardé par les répétitions et comme je devais jouer aussi aux Jeux universitaires. Tu as très bien fait et Dieu est en train d'accepter ta démarche et de la bénir. Je suis là avec vous comme un repère. Dieu nous a donné cette opportunité de travailler ensemble. Et c'est ce qui doit être, pas autre chose.
Le souhait d'un papa, c'est de voir son fils faire mieux que lui. Et c'est ainsi que demain ou après-demain, tu devras aussi encadrer des jeunes et tu aimerais aussi les voir faire un peu mieux que toi. Il ne devrait avoir aucune concurrence entre nous parce que chacun a sa place dans ce métier. Je suis accablé aujourd'hui par beaucoup de programmes dans cette même journée du samedi. On m'a déjà appelé de gauche à droite. Ne t'inquiète pas, j'ai au moins 5 programmes dans la journée d'aujourd'hui, mais je vais devoir reporter certains parce qu'il faut que je vienne te faire honneur. Je vais venir à ta soirée et dire à qui veut l'entendre que tu es un génie caché et que ton heure a sonné et que tout le monde sache que tu es né avec ce don en toi. Tu as très bien fait. Le geste que tu as posé est vraiment noble. Parce que tu es reconnaissant. Tu vois, ceux qui n'ont pas reconnu sont en train de se perdre aujourd'hui. Effectivement, avec le temps, j'ai compris beaucoup de choses. Et un enfant ne part pas toujours d'une maison à cause des problèmes ou des histoires. Il y en a qui partent et qui disent au père, laisse-moi d'abord aller me battre et voir aussi affronter la vie avant de revenir. C'est pour cela que quand je suis parti de la maison, je ne suis pas parti avec un fond de problème. Pas comme les autres. Je suis juste allé me chercher, comme je t'expliquais au début de notre entretien. Je suis allé me chercher et j'avais quelque chose à montrer aux yeux du monde et toucher aussi du doigt les problèmes de la vie. Et maintenant que c'est presque fait, parce que j'ai encore beaucoup d'autres choses à faire, et c'est pour ça que je reviens donc auprès de mon papa pour lui dire voilà papa, Dieu va te bénir, ça sera. Dieu va te bénir. C'est pas facile, mais il faut pardonner. Pardonner les Africains. Pardonner. Pardonnez. Tous ceux qui veulent aller au ciel doivent le pardonner. Et oui, c'est pas facile. Je suis chez mon père. Mon père et moi, nous sommes un. Donc faites-nous la photo là, rapidement. La soirée à Yaoundé, c'est quand? C'est le 6, samedi prochain. Je pense que j'y serai. Je sais que ce métier n'est pas facile. Il faut que tu aies besoin que je sois là pour te soutenir. Oh mon fils, c'est merveilleux, je ne sais pas, d'où est venue cette idée, c'est quelqu'un qui te l'a soufflé ou quoi? Non, c'est moi-même, depuis la dernière fois, oui, au CCF là, oui, cette idée me trotte dans l'esprit, et il fallait que j'arrange ça. Et je suis conscient que je suis parti de chez mon papa sans un fond de problème. Pourquoi est-ce que je vais rester aussi longtemps dehors sans revenir dire à mon père voilà ce que j'ai déjà eu à faire entre temps? Donc pendant que les gars faisaient la balance là-bas et tout le reste,
Je me suis dit qu'il faut que je vienne d'abord à la maison, que je rentre à la maison, que je retourne à la source pour présenter à mon papa le travail que j'ai abattu entre-temps. Oui, tu n'es pas comme les autres. Tu es un enfant béni. Tu vois, ceux-là qui n'ont pas le cœur pur, qui ne peuvent pas faire comme toi, ils sont aigris, ils sont dans leur coin, ils n'arrivent pas à s'approcher de moi. Ils ont vraiment envie de venir, mais leur intérieur est tellement noir qu'ils n'arrivent pas à le faire. C'est dommage. Tu es ici chez toi. Qui est n'importe quoi, tu toques et tu viens à n'importe quelle heure, je vais te recevoir. Tu as tout ce qu'il te faut ici. Le studio est là, je suis là, les musiciens sont là, les sangles à tes frères. C'est pas facile, mais il faut pardonner. Pardonner les Africains. Pardonner, pardonner. Pardonner, pardonner. Pardonner, pardonner. Tous ceux qui veulent aller au ciel doivent le pardonner. Et oui, c'est pas facile, je le sais.